Ben non, mais parce qu'on a, en fait, on parlait de ça, on parlait de transmission, puis on parlait de juste... Ce soir, nous avons réuni nos mentors, qui sont des bénévoles qui s'engagent pour accompagner d'autres retraités qui cherchent leur orientation vers le bénévolat. On leur a proposé un café débat pour s'engager. C'est pas juste un café où on doit philosopher, mais c'est un café débat autour de l'intergénérationnel qui doit déboucher sur des actions concrètes. On leur permet de se décentrer, en fait, à nos mentors pour être vraiment à l'écoute des besoins et des envies de chaque retraité qui vont écouter. On ne va pas faire l'école dans un coin, puis la maison de retraite à l'autre bout du bourg. On va essayer de regrouper géographiquement les deux. Il y a des actions qui sont partenaires d'AG2R la mondiale, donc qui ont été réalisées, des actions possibles à laquelle on a pensé avec l'équipe. Et ce soir, ils se sont posé davantage la question de... En fait, on est dans un modèle très descendant, c'est les seniors qui ont plus d'expérience et donc qui vont aider les jeunes. Alors qu'en fait, on peut se rendre compte que les jeunes ont beaucoup apporté aux personnes plus âgées. De dire aussi que des fois, sans structure, ouais. Des fois, juste la volonté de vouloir aider, accompagner, ouais. Et ça fait de belles histoires. Ouais. Ça amène à plein d'histoires de vécu parce que ça concerne directement les gens. Je voulais donner la boucherie à mon genre et à ma fille, mais ça ne se donne pas. Les impôts sont là pour dire il y a temps, il y a chiffre d'affaires. Cette soirée, c'est l'aboutissement d'un projet que j'ai souhaité il y a presque 3 ans de cela, parce qu'on soutient beaucoup d'associations en France, 2000 projets associatifs en cours, financièrement, mais pour arriver à rendre les accompagnements, les services à nos bénéficiaires, personnes fragiles et vulnérables, notamment parmi les seniors, il faut aussi des personnes engagées, il faut notamment des bénévoles pour ces structures associatives. Les mentors, ces ambassadeurs parmi nos adhérents bénévoles vont être en capacité normalement d'aller capter toutes les volontés, les aspirations d'engagement dans les 50 villes où sont présentes les sociétales à travers la France et on espère demain dans d'autres territoires. La soirée, c'est très bien, on pourrait le faire, on viendrait tous les soirs. Formidable. Elle m'a reboosté pour 6 mois. L'importance de cette rencontre, c'était le présentiel. Échanger sur les idées qui peuvent être mises en application de façon très concrète.